Le motif. Je suis Apollyon. J'offre la guerre. Eh ben allez, on est parti sur la bêta de For Honor. Des familles. Sans signe avant-coureur. Pour les rescapés, la vie était un combat. Peut-être la paix était-elle possible, mais désespoir et confiance font rarement bon ménage. Ainsi débutèrent 1000 ans de conflit.
les plus grands guerriers de tous les temps. Ils ont oublié de longue date le motif de leur querelle. Les voilà pourtant l'arme à la main, en quête d'un signe de paix. Je vais les guider. Je suis Apollyon. J'offre la guerre. Alors on va se prendre les samouraïs. Ils sont cons. Viens mon petit.
Alors la zone A. C'est bien, ils préviennent qu'il y a une maintenance quand même. Salut Diel. Le match est dans 10 minutes. t'as bien kiffé. Suivant. Même pas le temps de bouger le pelo. Aïe! C'est la garde adverse, comment on fait? L2, R1. Ok. Projeter l'ennemi. L2 carré. Entraînement terminé, félicitations, vous avez reçu 2000 pièces. C'est bon ça. Et bien, on va regarder le menu. Qu'est-ce que c'est que ça? Héros. Sentinelle, fléau, speed assassin, R6, Jarl, Berserker, Luffy,
D'accord. Gold édition, 100 boules. Ah ouais. Comment jouer? Tester la classe Sentinelle. Obtenez les derniers endroits. Conseil de combat. Entraînement, entraînement avancé, mode libre, duel d'entraînement, vidéo de mode de jeu, vidéo des héros. Duel présentation, Rex, domination, élimination. D'accord. Garder sur lui, hein. Le Wisebot, il déconne ce soir. Je sais pas pourquoi. Première manche. Wow. Tu vas déjà te calmer là? Oh! Wow, et la garde? Wow, c'est chaud! Oh putain, c'est chaud! Oh bah bien. Ça va falloir maîtriser ça, hein, parce que c'est chaud. Troisième manche. Je me suis fait défoncer. Allez, mais mets-toi en garde, bordel! Oh, ils sont cheatés, les bonhommes. Oh, t'as passé ça prouver ta valeur, toi? La guerre de faction est un conflit multiplateforme persistant entre chevaliers, vikings et samouraïs. Vous vous battez pour la faction à qui vous avez juré fidélité. Mais vous restez libre d'incarner le héros de votre choix, toute faction confondue. La guerre de faction englobe tous les modes, contre humains et IA. Après chaque partie, vous recevez des ressources de guerre en fonction de vos performances personnelles. Vous pouvez déployer ces ressources pour contribuer à conquérir un territoire adverse ou à défendre l'un des vôtres. À l'échelle mondiale, la guerre de faction est divisée en mise à jour territoriale, en manches et en saisons. Les territoires sont mis à jour toutes les 6 heures, les manches durent 2 semaines et les saisons 10 semaines. À chaque mise à jour, la faction qui possède le plus de ressources sur le territoire de l'île le contrôle. La carte du monde indique la répartition. Ils se sont pas compliqués le truc là. Les fronts définissent sur quelle carte vous allez jouer. Une carte contrôlée par les chevaliers qui passe aux mains des samouraïs s'accompagne de nombreux changements visuels. À la fin de chaque manche, les participants obtiennent une récompense selon le rang de leur faction dans cette manche. Au terme de la saison, tous les joueurs gagnent des récompenses selon le rang de leur faction. Quand une saison prend fin, la guerre de faction est réinitialisée et reprend après une courte pause. Le monde reste définitivement marqué par les événements des saisons précédentes de Fort Honor. Ouais.
Première manche. Oh, c'est stylé. Ah ouais, mais si je bouge pas le joystick. Ouais, tu fais mal. Ah bah chaque fois je me trompe de bouton, bordel de... C'est trop chaud. Ouais. En fait, t'es chaud, toi. Je reviens à la vie. Deuxième manche. Non mais t'es sérieux ? Oh là là, putain. Ça a deux contre un, les putains. Troisième manche. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, quand même. Ah oui, vas-y, 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 oui. Quand même. Attends. Salut Master Pierre 3, bienvenue sur le stream. Quatrième manche. Oh, oh, ça y est. Le serveur va bugger. Voilà. Putain. Et ben voilà, c'est fini. Je peux jouer avec toi à la bêta? Eh ben écoute, ils ont prévenu une maintenance de dans 10 minutes. Et ça va durer 20 minutes. Donc voilà. Il n'y a plus de serveur pendant 20 minutes. C'est bien hein, pour une bêta. Hein. C'est super. Voilà. Je peux pas jouer. Donc je vais arrêter le stream pour le moment et puis je vais sûrement reprendre après. Voilà. Voilà où on en est. Donc c'était la bêta de For Honor sur PS4. Un jeu assez compliqué, apparemment. Hein. Je vous dis à tout à l'heure.